Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va fou Ça va très bien toi Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deck tech ultime de standard. Le deck qui a le plus impressionné. C'est la dernière, il n'y en a aura pas. plus jamais de standard. On n'aura en fait. plus jamais après. Fin C'est la decklist qui a le plus impressionné lors du LEC Naples. Qu'est-ce que c'est le LEC Naples C'est le Pro Tour Qualifier Régional, entre guillemets, qui permet du coup aux 36 meilleurs joueurs de se qualifier au Pro Tour, qui arrivera notamment au mois de mai. Euh, ce LEC Naples était en standard, donc c'est vraiment exceptionnel parce que c'était le premier gros événement euh, en standard qui, euh, du coup, est, en retour, est, est de retour depuis l'ère post-Covid. Le standard étant euh, malheureusement cantonné à Magic Arena depuis quelques années. Donc on avait hâte euh, que cet événement-là puisse euh, nous permettre de revoir du standard en papier. Le Pro Tour en mai sera dans le même format que son Pro Tour Régional Qualifier. Donc on sait d'ores et déjà qu'en mai, on aura un Pro Tour papier en standard. Et ça, c'est exceptionnel. Bien bien quand même, hein bien sûr. Et euh, un des decks qui a créé la surprise, quand bien même le deck existait déjà, c'est la version du deck et les pourcentages de winrate qu'a posté ce deck-là lors du tournoi, qui a impressionné. On s'intéresse ici à Esper Legends, la liste de Thoralf Séverin. et euh, on Alors va. Leur euh, ouais, c'est vraiment de leur c'est du fine tuning, c'est de la, c'est de la beauté euh, pure et dure ce deck-là. Avant toute chose, anticipez la confiance et laissez votre meilleur pouce bleu. Euh, vous pouvez nous soutenir aussi en déroulant la description, en rejoignant nos différents réseaux sociaux, Twitch pour nous regarder en live, Tipeee si vous voulez nous soutenir, euh, Voct euh, si jamais vous voulez télécharger l'application avec le code parrainage ValPL, vous nous soutenez dès lors que vous euh, effectuez votre premier achat. Et on live deux fois par mois. Et merci aussi aux poteaux de Playin les boss. Exactement. Playin by Magic Bazaar, notre sponsor. Merci beaucoup à eux. Code Valépuel 2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous quand vous l'utilisez une seule fois par compte et par an. Et ça nous soutient. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez si vous, si vous n'avez pas utilisé le code. Bam, 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 on se fait plaisir, on achète des petits trucs, ça régale tout le monde. On est content. On est content On est très content. On est très content. Du coup, cette déclisse. Parle-nous parce qu'on connaît Sper Legends, on curve des bêtes, euh, c'est légendaire, on attaque, c'est value, c'est pas mal. On peut du coup jouer des esplanades des héros qui protègent nos bêtes et qui nous font euh, facilement du fixing sans nous piquer. Exactement. Donc, très bien. Mais quel est le but du propos ouais. Qu'est-ce qui a changé avec cette déclisse Parce que c'est. C'est du fine-tuning, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, si quand même, parce que dans l'histoire d'Esper Legend, il y a beaucoup de choses qu'on qu changeait. Qu C'est-à-dire oui. qu'avant la sortie notamment de Skrelv, on avait des listes qui essayaient juste de paquer toutes les créatures légendaires euh, avec euh, Raffine et avoir et un jeu full voilà, un jeu full créatures. Et ça, pour le coup, moi j'ai souvent dit que c'était des jeux qui étaient assez mauvais. Mmh. Je le pour le coup, je le pense toujours. Ouais. Par contre, euh, les nouvelles versions d'Esper Legend avec l'arrivée de Skrelf qui est quand même pas une demi carte dans le deck, euh, se sont parées de certaines synergies, notamment grâce au Channel Land, qui sont en énorme quantité dans le deck. Mais parce qu'en fait, ce sont des sorts de réaction qui ne sont pas impactés par Talia euh, et qui, en plus, bénéficient ou en tout cas ont une réduction de coût de par le fait que vous avez beaucoup de créatures oui. légendaires. Et ça, c'est une innovation, un ouais. euh, c'est une innovation du deck qui permet du coup au deck d'avoir plus que deux interactions comme tout le monde le dit, mais en fait huit interactions. C'est un deck que j'ai beaucoup mésestimé. J'avais une théorie euh, sur ce deck là juste en voyant le, le deck papier et je pensais que c'était un deck qui était assez médiocre. Avant le le Naples, généralement quand vous avez une idée sur un deck, bah, jouez-le. Votre avis pourrait changer. Mon avis avait changé. J'avais été vraiment impressionné par ce que proposait le deck là, par ce que proposait ce deck là. Il n'était pas encore tuné de cette manière-là. On n'avait pas les annonces du mariage Mendec qui, quand bien même offre une contre-synergie avec Talia, sont vraiment une des cartes qui permettent de terroriser le match-up contre Grixis. Euh, dans les listes que j'avais pu tester, il y avait aussi des AO, des Air Là, ici, on est sur le, euh, vraiment, oh, la, la pureté Esper la, la Legend avec les 4 Shouldred, avec les Adlines qui ont remplacé les Geeks, avec les Transfigurants tranchoués qui sont des cartes qui étaient utilisées en sideboard à la base contre les jeux Grixis, notamment pour la récursion. Et là, vraiment, c'est une évolution dans le temps. Euh, de ce, cet Esper Legend qui arrive du coup à son paroxysme ici avec la liste de Alf Séverin. C'est pas que sa liste à lui, c'est une liste de, de, de team. teams. Et c'est vraiment. La, team voilà, card la, market, la, crois, la oui. liste est exceptionnelle. Mm. Peut-être que c'est la, la, la team Card Market. Euh, au niveau du win rate que ce deck-là a posté lors du LECNAP, bah c'est simple, il a tout cassé. Il a 62% de win rate sur le tournoi, ce qui est un win rate extrêmement élevé pour un deck de standard. Et tout simplement, en termes de win rate par match-up, il n'a aucun. Mauvais win rate. Il a posté un matchup C'est le meilleur un, deck. Un win rate supérieur à 50% contre tous les decks du format qui étaient représentés euh, lors de c le CNAP. Donc vraiment exceptionnel. Et ensuite, pour entrer un petit peu plus dans le vif du deck, bah, l'idée c'est de curver des cartes euh, assez agressives tout en étant aussi génératrice de, de value, Je pense à Dennick qui va pouvoir se recaster facilement tout au long de la partie et générer des indices. Mais en même temps, disrupter le cimetière contre les corps appraisers de, de l'adversaire ou ceux qui essaieraient de réanimer des, des Atraxa. On a Skrelv qui dès le tour 1 va nous permettre de protéger nos cartes, donc ça peut être très important de protéger un Denik pour rendre les Corpse qui existe très très mauvais ou de protéger une Talia pour retarder les fables et les cartes impactantes et notamment les interactions de notre adversaire. Euh, derrière au tour 3 on a Raffine qui va nous permettre de trouver nos cartes actives et de générer euh, aussi bah, pas forcément du carte advantage mais du quality advantage et donc du coup de recycler mmh. les mauvaises cartes qu'on pourrait avoir en main pour trouver justement nos meilleures cartes. Ouais, avec Transfigurant et Denik tu peux faire du carte advantage. Bien sûr c'est ça. Que, du coup tu peux les rejouer et donc euh, les défausser. Tout à rejouer. fait. Et le deck se, se, se part quand même de 28 landes, sauf qu'en fait dans ces 28 landes, t'en as 8 qui sont utilitaires, ce qui fait qu'en fait quand t'as besoin de landes, tu ne feras jamais d'ess, mais en même temps tu ne peux pas faire full parce que la plupart de tes landes vont être jouées comme des spells. Mmh. Et dans le pire des cas, si tu te retrouves à avoir quand même trop de landes ou des doublons de tes spells légendaires, tu peux les recycler avec Raffine, et c'est là où, où, où tout l'élixir de ce deck-là ouais. se, se retrouve. Ça ne joue un la main de départ, quoi. il faut pas t'en retrouver avec euh, euh, deux exemplaires dans la main de départ, ça équivaut à pas avoir assez de landes en fait. Ouais. Par exemple, tu as deux Iganjo, de Otawara. Ça peut être chaud, quoi. Ouais, mais déjà, c'est statistiquement extrêmement rare. rare. Et ça m'est arrivé d'ouvrir des mains de départ avec trois landes, dont deux Iganjo. Et en fait, quand tu trouves ton quatrième Land, tu peux assez facilement prendre le mana du premier Iganjo, sacrifier le deuxième, jouer quand même ta Adlin si tu as besoin d'un double blanc. Ouais. J'ai pas trouvé que cette mana base était. Très euh, rarement bloquée. Euh, j'ai jamais été vraiment bloqué par cette mana base. Au contraire, j'ai eu de, la sensation de ne jamais death. Ouais. Et ça, c'est quand même très satisfaisant. Euh, dans un deck créature qui veut curver, d'avoir 28 landes oui. théoriques, mais qui en fait, euh, dans l'applicabilité de la chose, euh, te donne surtout 20 landes. Parce ouais. que Takenuma, Takenuma, ça se joue pour un en éphémère quoi, dans ce deck. Ouais. Euh, Ottawa pareil, ça permet de tourner le coin, d'essayer de rattraper la tempo perdue. Les 4 Red c'est parce que la carte est extrêmement impactante dans le match-up, et notamment dans le Mirror, et qu'elle fonctionne bien avec Raffine. Donc voilà, c'est vraiment un deck qui va curver des bonnes bêtes, avoir des euh, interactions assez faibles, ne pas être impa impacté par ses propres restrictions avec Talia, et avoir une mana base qui est extrêmement saine en termes de quantité. Et le petit one-off de Ludwig, à la place de la quatrième eh ben c'est dans les mirrors ou dans les match-ups un peu grindy, c'est ce qu'on appelle un mana sync. Vous allez souvent avoir beaucoup de mana, comme vous avez 8 terrains, vous allez pouvoir lander à tous les tours. Et c'est vrai qu'en late game, eh ben vous retrouvez une avec une carte dans laquelle vous pouvez investir tout votre mana et ça fait des chocs à pic. Et c'est bien le choc épique. Voilà, donc vraiment, euh, deck euh, exceptionnel mmh. j'ai trouvé. Parlons nous du side un peu. Le petit side, on allait détruire euh, le mal, qui vont être bien bah, notamment dans le mirror, pour pouvoir attraper les, les sheldraids adverses, ou les annonces du mariage, qui sont vraiment extrêmement puissantes, mécaniques, euh, qui va permettre d'avoir un board beaucoup plus gros que celui de votre adversaire, mais en plus de générer de la value supplémentaire. Donc la carte est très très bien pour grinder, naturellement. Euh, donc c'est bien d'avoir détruire le mal dans les match blancs et dans le match-up mirror. Les bottes des c'est contre tous les jeux à Traxa, Spoiler, avec ce deck-là, vous les démolissez les jeux Atraxa, oui. mais ça ne mange pas de pain que d'avoir une botte dénieuse contre les invoques d'Espère de Grixis oui, on sait jamais. et contre les jeux Atraxa. Les droits à la gorge supplémentaires, eh c'est pour pouvoir interagir dans le mirror. Je trouve que dans le mirror, typiquement, c'est pas très bien d'avoir des Thalia. Moi, j'avais mmh. coutume sur le ladder à sortir toutes mes Thalia, puisque mon adversaire joue beaucoup de créatures, et ouais. à rentrer toutes mes interactions. Ouais. Et ça marchait plutôt très bien. On a défaillance malveillante qui est extrêmement bien contre les jeux toxiques, voire contre les jeux euh, mono rouge J'ai tendance aussi à les rentrer sur la draw contre Grixis. Parce qu'en fait, quand, quand tu es sur la draw, la partie peut un peu s'engluer. Tu peux commencer à te faire grinder et Grixis, il peut enchaîner des Fab, des tokens de 2. Et tu et peux l'attraper avec, ouais. euh, avec une défense malveillante, c'est plutôt pas mal. Contre soldat aussi Oui, contre soldat, c'est vrai j'ai oublié ce deck-là, alors qu'il a été plutôt pas mauvais euh, lors ouais. du LECNAP. 4 exterminés, bon bah ça vous savez, contre oh, les jeux à gauche. Euh, et pareil en mirror, en fait, il y a vraiment une carte qui est... Horrible en mirror, c'est scrève parce qu'elle t'empêche de te débarrasser des cartes clés de ton adversaire qui sont raffines et Sholdred. Et généralement, c'est celui qui va sticker avec l'une, c'est-à-dire qui va avoir un board et, et que cette carte va rester sur le board qui va finir par gagner la partie. Et en fait, Skrellv, ça t'empêche d'interagir avec ces cartes-là et tes droits à la gorge ne tue pas les Screlves de tes adversaires. Et Donc, oui. c'est quand même super important d'avoir une quantité d'exterminés dans le mirror quand bien même euh, ça ne gère pas une Sholdred par exemple après ça gère mal dans ça le gère bon, raffine. dans le bon spot ça gère une raffine euh, et enfin les euh, Laurent de la troisième voie et eh bien tu peux les rentrer aussi dans le miroir pour attraper les annonces du mariage de ton adversaire ouais. ou alors c'est une bonne carte que tu peux jouer notamment contre Grixis, contre ou contre, Grixis euh, et monoblanc. contre mono Ouais on est parti donc on est y est-ce que je vais jouer ce deck. Bah, tu vas jouer ce deck. Oh yes, quel plaisir. Et j'ai vraiment retourné ma veste parce que j'avais euh, bah, les jantes veste tournées pour le coup, parce que j'avais vraiment un, un très mauvais a priori théorique sur le deck. Et Merci. bah voilà, des fois quand vous pensez quelque chose d'un deck, jouez-le. C'est vraiment la... La leçon que je me suis prise avec ce paquet-là. Ah, mais je l'avais joué, moi, pour un, un Metagame Challenge. J'avais fait 6-1 avec, euh, liste que j'avais euh, empruntée à, à Krause. Ouais, mais t'avais pas encore les mêmes et quantités et de. Non, c'est pas la même decklist. T'avais encore les Channel Land qui font beaucoup. C'était le, le même principe, on va dire, de, de base, tu vois. Et c'est vrai que malgré que j'ai fait un bon résultat, je me disais, bah je trouve quand même que le deck, il manque de quelque chose. Il ouais, est ouais. Un, peu, un peu faible, quoi. Et il manquait de tuning, en fait. Toi, mm. tu peux jeter cette main, malheureusement. C'est On n'a pas trop de cartes actives et c'est excellent. Donc, un 6. Qu'est-ce qu'on enlève Aucun land. T'enlèves un drop 3. Il faut savoir lequel tu veux. Euh, si t'es en Mirror, je pense que Raffine, c'est vraiment très fort. Mmh. Si t'es contre Grixis, c'est vraiment très sympa d'avoir ton annonce du mariage. Je trouve qu'annonce du mariage a peut-être plus de valeur game 1 parce que ton adversaire, il aura plus facilement des anti-bêtes que des anti-enchantes. Ok, donc on enlève plutôt Raffine. Ça me ferait hyper mal, mais bon. C'est un choix difficile. En fait, si on se dit on joue contre est 6, c'est que tour 3 il fait fable. Euh... Nous, tour 3, annonce, ah c'est quoi. C'est sur le play euh... Comment on voit fallait y faire attention. Je crois à que c'est moi crois. qui suis sur le play. ouais. C'est difficile. Franchement, c'est sur le Tu peux enlever un land aussi, t'en as 28. Tu peux pas choisir. Moi, j'enlèverais annonce, mais bon. As joué le deck récemment, euh, moi ouais, mais c'est euh... un choix qui est, qui est pas évident. Je pense que tu peux aussi enlever un land très honnêtement sans ah ouais, sans te dire de conneries. Juste enlève pas un land noir pour le double noir de pour le double noir de Chaudred. Ok, je pense qu'on qu peut. Tu as 28 landes quand même, donc t'as une chance sur deux à chaque lande qui commence. Hein. C'est encore mieux. Du coup, attention, screl. Hop. Je crois que quand il y a des choix trop difficiles comme ça, faut partir sur le troisième choix, le mauvais. Sur le play c'était peut-être mauvais, sur la drop pas nécessairement. 6. Bon bah voilà, nickel. Euh, Est-ce que je tue pas ça là Pour garder notre scroll. Oui. C'est pas mal non, on n'a pas de tour 2. C'est très bien. Enfin, on n'a pas de tour 2, on a anti-bête quoi. C'est très bien, c'est très bien. Et je mets un point. Et tu peux lui mettre un point, ouais. Il ne se protège pas le même J'essaie de théoriser à quel point ce qu'on a fait, même si on est reward là, c'était quand même un, un bon point. Je pense que c'était bien de jeter ce terrain sachant que ton deck en a 28. Mm -hmm. Bah là, du coup, euh, j le choix. tu vas pouvoir annoncer du mariage tranquillement ici. Ouais. Et on va pas se faire prier. Non non non. Pas d'attaque. Tu serais puni sur une vogue d'espère, mais bon. Latil. Bah on sacrifie une créature, un enchant. Ah c'est chiant quand même. Il y a un validé ton tour quoi. C'est chiant, ouais. Je prends. Mana noire détapée. Non ça va, ok. Il y avait déjà euh, tous les mana noires. Oui oui il fallait mana mana détape, pardon je voulais dire. Okay. Pas à barre de Xander quoi. Non. Eh bah ben, écoute, Raffine, euh, let's go, on va commencer à faire des bêtises. Là, tu veux chercher tes cartes d'interaction, tes Otawara, tes Takenuma, euh, toutes tes cartes spell quoi. Je joue aux planade ou pas Oui tu joues au Splanade ouais. Je pense. T'as quand même envie de monter en lande. Ok. Euh, ça a pas payé correctement, il fallait payer avec ta cave pour garder ce qui te fait n'importe quelle couleur si tu trouves un otawara. Mmh, ah, exact. C'est un otawara, on peut pas le caster on a deux légendaires, donc ça change rien. T'as que deux légendaires... Ok, donc ça marche, c'est bon, ça change rien pour otawara. Faire attention parce que des fois le jeu te baise, il te priorise tes pv en fait. Pas de galère. C'est oui. Le jeu priorise toujours tes pv en fait, donc euh, c'est un peu chiant mmh. des fois sur tes couleurs. Et on va jeter ce Donic. Ouais, je trouve Donic. Ah. ah Ouais mais du coup tu te fais chum block, obligé de tête en Danique je pense. Ouais mais ça me va. Ça fait quand même de la value en fait. Oui. Token. Ok, là tu bats plutôt bien une vogue d'Espère maintenant. Ouais, par contre je pense que je peux pas bloquer. Ah avec ma 1-4 quoi mais... Pas avec euh, ma 1, 1 non tu vas pas le faire effectivement. Ça discard pas mal de cartes, il a enlevé fin de fraternité, un brisebank. Ouais, Brice Banks, c'est très haut euh, tempo pour lui. Alors, évidemment, ton deck marche mieux quand tu fais des sorties Italia contre Grixis. C'est ouais. ça aussi qui rend euh, le, le deck très puissant. Sholdred aussi, quand ton oppo il commence à jouer des fables. Il y a des cartes qui sont assez impactantes et déterminantes. Et piochons, hein. Ah. Ok, tu trouves ta propre shouldred pour invalider la sienne, ce qui est plutôt une bonne idée. Ouais, je fais le Land toi. Ouais, bien sûr. On va malheureusement passer le tour ici. Hein. Il se retrouve maintenant. Ouais, avec... près de la sienne avec notre 5-6. Avec double. Ouais, il n'y a pas de Stutch en plus. Non. Comme ça, du coup, on est tranquille. Il faut absolument qu'on trouve un moyen d'invalider cette fable en piochant un Otawara ou un, ou un anti-bet. Et c'est là où les Laurent et les Destroyables après après ils vont être assez exceptionnels. Exceptionnels. Là, il est un peu au top deck. Ouais, il est carrément au top deck même. Ouais, mais double fable, ça, ça le met quand même pas mal devant. Hein. Il peut faire des trucs, ouais. Je mets ça. Hein, Ou ouais, ouais, ouais. en, en l'air. Hein. Exactement, tranquillement. J'ai envie de monter un peu en land parce que ça me permet d'esplanade en fait. Ouais. Ça me permettra. Dès que tu trouves une interaction sur sa fable, tu peux reprendre un peu la, la tempo de cette game. Mmh. T'es pas incité à attaquer, pas je crois. Pas attaque. Sachant que lui, là, il peut faire 4 tokens de 2. Ouais. Après, il y en a que 2 qui passent. Ouais, donc ça va. encore heureux que t'as euh, Festivité du mariage pour euh, survivre à ce genre de, de play. Il mmh. y en a que deux qui passent si je veux pas bloquer avec mes deux deux. gaffe à pas être à deux parce que du coup sa Trigger triggera toujours en premier. Ouais. Sur notre tour. Ouais, il y a eu ces situations-là en table filmée lors du LEC, c'était marrant. Ah ouais, genre à de PV et du coup... Euh... Ouais, ouais, les deux ouais, les, les deux Childred étaient sur champ de bataille et un des deux oppos pensait du coup euh, repasser à 2 PV. et ouais. euh, il, On lui a expliqué que... Que c'est pas comme ça la vie, il marchait dans l'autre sens. Uh. Ouais, bah écoute, Il a, pu a pioché Childred non, mais dans tous les cas, il sait que tu peux pas la trade favorablement, quoi. Ah, tu, tu y vas comme ça Merde, non. Bah, je me dis, je peux bloquer comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça pas passer trop bas. Je vais sacher le Red, on prend que 6. Ouais, non, c'est ok, j'aime bien. On accepte, on voit Ok, ok. Je pense qu'il en a pioché une autre hein, pour attaquer avec. Ou alors, il veut vraiment te push du dégât, sachant que là, il peut faire 1000 tokens hein, derrière, hein, si tu trouves pas interaction. Ouais mais là déjà je... Non tu vois il n'y avait pas d'autre sur le ouais, là. Il veut En fait gars. il dit que si tu trouves pas interaction t'as perdu là. T'as deux draws. Ouais mais je une quête PEF quand même hein. Ouais, mais il fait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tokens, je pense que tu seras quand même mort. Je serai un peu mort ouais. Ouais, tu seras bien bien mort même. Ok, t'as encore une chance. Tu veux que je fasse fin j'attaque pour trouver la... le dernier droit à la gorge je crois que tu es obligé, sinon tu meurs, non Faut compter, mais. Bah, sinon je mets deux bloqueurs de plus. Tu mets deux bloqueurs 3, et t'es pas mort euh, Et lui il peut attaquer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 x 2, euh, 22. 22 euh, moins 1, 2, 3, 4, moins 8, ça fait 14. Mm. On est mort. Eh oui. C'est chiant. Bah ouais, oui. Alors que Raffine te fait aussi gagner un peu de, un peu de PV aussi, tu vois. Bah ça fait gagner 2 comme un bloqueur, donc ça c'est pareil. Oui, voilà, mais donc du coup tu peux au moins valoriser d'attaquer avec Rafine et trouver une carte puisque tu gagnes entre guillemets ce que tu perds à ne pas avoir de bloqueur. On va voir. De toute façon, as-tu d'autres choix Est-ce que même si on est ne faut pas attaquer aussi avec Sholdred de toute façon, whatever On va attaquer avec tout le monde là, il faut que tu draw deux en fait pour trouver un Ottawa à juste. Hum. Mmh, bah. Oui. Donc euh, attaque avec tout Mais non, en fait euh, il en a deux donc on est mort. Bah non, c'est pas par tour. Si j'ai interaction... Euh... Bah si t'as interaction il est fait à fin de Ah oui mais oui, genre... Euh, ok ouais, ouais, ouais. Ah non faut que tu le tues... Euh... Putain t'es pas gâté quoi Non... Hum... On enlève Screll ouais. Et Talia... Et euh, Adeline pardon. Plutôt Adeline. Plutôt Talia que Adeline hein. Genre Talia maintenant ça l'impacte le... pas beaucoup quoi. En fait tous les PV que tu gagnes entre guillemets c'est des bloqueurs. Euh... Ouh, t'as encore un, un redraw si tu veux. Si ouais. on estime qu'on n'a pas assez de bloqueurs, j'aurais qu'un mana. Et alors Ben j'aurais pas le mana pour Otawara le... si. Ah pour Otawara Ouais. ouais. C'est Otawara maintenant qu'on cherche. Hein. Mm. Alors, en fait, est-ce que t'es mort avec un bloqueur Faut calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah ben, oui. Il en a juste un de moins. Ouais, mais et toi t'es il... repassé à 13 et t'as quand même un bloqueur. Ouais, donc ça, ça ne suffit ouais. pas. Allez, piochons. Ouais. Otawarus. Toujours pas. Côte de Cronmer. Écoute, vas-y, on va voir s'il si nous tue. Je pense qu'il sait, il sait faire. Hein. Ouais, mais en fait, il, a enlevé, il en a enlevé un de moins. Et toi, t'as gagné 2 PV de plus que ce qu'on attendait. Parce qu'en fait, du coup, il en a utilisé un qui va partir à la fin du tour. Qui lui a servi à chumper. Donc là il a pas l'étal le poteau. Ah ouais, c'est ouais. sûr Certain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10. 10. 10, il met 20. Moins 2, il met 18. Ah oui non oui, parce que toi t'as plus de bloqueur, pardon. Ouais ouais, ouais non. Si. Mais c'était pareil, parce qu'ils ont fait gagner deux peps. Ouais ouais c'est ça. Ouais je pensais que le fait qu'il en utilise un ça allait le. ça allait le trixer mais non. après il perd de peuple peut-être qu'il meurt là. Non. Bien joué. Dommage. Tu n'as pas trouvé ton interaction, tu perds ton fab, c'est la base hein. Ouais, c'est le jeu qui veut ça. Avec Igonjo, j'étais à moins -1. C'est le jeu. Je, quand même pas. Ah oui, non, il fallait, il fallait bien au et là. Bon, tu vas euh, être sur le play. Euh, sur le play, tu vas rentrer Laurent. Ça c'est sûr. Tu vas rentrer détruire le mal de bottes. Euh non, pas de botte. Les bots, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on veut sortir surtout Sortir surtout, pardon. Moi, je sors toujours une shoulder dans le mirror. Oui. Parce que c'est pas forcément euh, tempo orienté Les adlines sont pas très bien. Moi, j'ai coutume de les enlever aussi. Oui, c'est un peu cher, je suis d'accord. Les transfond sont exceptionnels. Je pense que le Ludwig, euh, c'est pas très grave si tu l'as pas. On que c'est Ludwig. Et maintenant, t'as deux cartes à côté ici. On a toujours envie de garder Talia parce que ça fait des chocs à pic. Même si toi, tu rentres plus d'interaction, c'est pas très grave. Oui. Euh, T'es sur le play donc peut-être que ta quatrième annonce elle est euh, un peu too much sachant que tu rentres les trois laurent et tu peux peut-être enlever le troisième laurent si tu rentres les destroyable. Ok genre que deux laurent. Ouais. Moi j'aime bien euh, dans cette config là. Ça on m'en veut pas. Surtout pas sur la draw peut-être surtout pas sur le play. Pas sur le play ok. Ah, ok on teste comme ça. Bah je suis pas sûr mais en même temps c'est vrai que je, je. suis pas certain non plus j'aurais bien voulu avoir les tables de side de toraf mais je je bah, non, pas dans ces papiers quoi. Et non. Après j'ai pas mal joué avec le deck, ça s'est plutôt bien comporté quand je sideais comme ça, donc... Euh... mon premier. Donc allons-y. Ce qui pas. Trouver un troisième land. En fait sur le play drop 2 dans Raffine c'est fort quoi. Et un troisième land quand t'as 28 lands franchement c'est pas trop un sujet. C'est ça qui est bien. Normalement ça se trouve. Ouais. En plus il y a aucun land qui arrive étape. Non. Pourquoi Aucun. Oh C'est même mieux. C'est mieux hein Oui. Ça l'empêche de corps se priser et quand tu te retrouves à jouer des armes non dressés c'est vraiment nul. Ouais. C'est des armes non dressées 3-3 pour 3, 3 Ouais. C'est vrai. Qui ont coûté 3 mana incolorés. Non c'est des... c'est un, un incolore de vert. Mmh, c'est pas loin quand même. Mmh. Ben, c'est pas okay, grave, hein. t'as quand même un autre play, pas pressé nous, hein. pas de galère. Phase d'attaque, Phase date. En figurant qui a été vraiment impressionnant dans les games où j'ai eu à le jouer. Et tout le dénique. Tu vas te faire Corpse Praiser, malheureusement. Peut-être en fait, il l'a pas, hein. Tel le bon Grixis qu'il est. Oh, il l'a tout le temps. Euh, mec, 10 de pierre dans Corpse Praiser, Antibet dans Corpse Praiser. C'est l'histoire de mon ladder, euh, à tel point que j je n'en peux plus de Corpse Praiser. T'en chies Depuis que je joue ce deck-là, non. Mais euh, quand je jouais euh, Monoraid, j'en pouvais plus. Du reste Du reste, c'est bien, contre nous. Euh, il sait qu'on va rentrer des contres et des et des indres du mariage. Et donc, écoute, euh... 28 ans, on est content Ouais. Après, t'as le droit de perdre des games de Magic parce que shit happen, tu vois. Ouais, ouais. Ne pensez pas que cette game est. Euh, comment dire Représentative. Représentative du match-up. Hein. Salut Oh Gentil. Hmm, Peut-être qu'il se dit que ton seul moyen de comeback c'est d'enchaîner les annonces. Je trouve pas ça totalement délirant du coup. T'es obligé d'attaquer de son, tu peux pas bloquer. Soit. Tu sais au moins là que tu te prends pas ni une shoulder red ni, ni une catastrophe. Mmh. Hop, deuxième évaluateur qui enlève le temps suivant. C'est ça le problème des évaluateurs, c'est qu'il appelle le deuxième la plupart du temps. Hein. Land. Il va jouer que des trucs s'aime trop au moins. Bah Il sait que tu as une botte donc... Impeccable. Euh, il va tourner autour. Légitime. Bon. Tu peux t'en aller. Là. Si le jeu ne te veut pas. Mais Franchement, c'est pas c'est pas une erreur de garder cette main. Non, non, non. Bah, on trouve de l'hand sur, euh, sur 12 cartes. Ouais. Et un Otto fait gagner la game d'avant. Bon, c'est la vie, ça arrive. À la fin, c'est Grixis qui gagne de toute façon. On l'a bien vu à Naples. Bah non, parce que le pourcentage de win rate et le taux de conversion est beaucoup euh, plus important pour Esper que pour Grixis. Mais c'est Grixis qui a gagné le tournoi. Et ouais, mais c'est pas tout à fait réaliste en fait. Grixis était représenté ouais. dans 30% du tournoi, oui, alors il était que Esper et John était à 7% et représenté à 12% en, en jour 2. Ouais. Alors que Grixis, il était il est passé de 30% à 28%. Tu vois. De jour à jour 2 Ouais. Euh... Donc en fait, à la fin, tu ne regardes pas, euh, pour estimer la, la puissance d'un tu ne regardes pas celui qui a gagné, tu regardes plutôt le win rate global, tu vois. Oui, ouais. Pour moi, c'est Esper Legend qui a gagné ce tournoi. Mais il se trouve que le pilote, celui qui... Le pilote qui a gagné jouait Grixis. Ouais. D'ailleurs, euh, un joueur qui... Euh, C'était son deuxième euh, gros tournoi. Je crois qu'il est de ce qu'il disait, il avait fait un GP, un truc comme ça. Celui qui a gagné euh, ouais. le Sénaple et, ouais, euh, et le Sénaple, il a dit euh, Bah, ok, je suis là, je suis gagné, let's go. Let's go, le boss. Hein. Il a battu Toralf en, en finale avec ce deck-là. Hmm. Euh, on va jouer on en premier. Le pied, le, on va prendre le play toujours. Hein. Et, et on, on va, va prendre garder. le pied. Nickel hein. ça Ouais. On est ça. Oh, je suis pas obligé, j'ai une esplanade en fait. Tu fais bien ce que tu veux. Ce deck-là, vraiment, en termes de mana, c'est la. Est-ce euh, qu'on est, qu est sûr qu'on fait Tour 2 Certain. Ok. Je vois pas le match-up dans lequel... Si tu on veux était pas parler. sûr, on faisait sentir en premier non. droit à la gorge. Sûr, sure, sûr, sure, sûr. Sure. De toute façon, c'est Grixis là, hein. il n'y a que ça sur le ladder. Donc, euh... Oui. Enfin, en tout cas, sur les hauts ladder. j'en je sais... avais beaucoup en diamant. Maintenant que je passais mythique, peut-être que c'est un peu plus la cour des miracles. On rappelle, c'est quand même toujours plus dur le niveau diamant parce que les gens grindent pour arriver mythique. Une fois que les gens sont en mythique, ils se permettent un peu plus d'exotisme. Donc bon, ah bah là, euh, on va bourrer avec Aline. Tu veux protéger ta talia pour retarder la fable et en même temps, on a vu que ne pas avoir notre droit à la gorge quand les fables étaient retournées, c'était un peu préjudiciable. Moi, ouais, c'était un scénario euh, bizarre, quoi. Un scénario. Adeline, ça veut dire qu'il sacrifie euh, Moissonneur, il nous tue Talia, il fait fable. On a Adeline qui est euh, qui ah, bourre, mais est pas qui ouf. Tourne. Toi, tu préférais... Euh, ouais, j'aime bien, moi. Ok, c'est tempo, euh, tempo play, ça me va. Hein. Le, le deck peut un peu se... Ouais. Là et... je joue vraiment le côté raffine du deck là. Ouais mais c'est ça qui est puissant avec ce deck là c'est qu'il a un côté midrange qui est capable de grinder, mais mmh. en même temps des fois tu joues juste des game tempo quoi avec Skrelf, Talia dans un anti-bet ouais. et... et ton oppo ça le met en PLS quoi. Bon bah, Splanade euh... Adlingo. Et Skrelf, hein Ou tu peux mmh. même... Bah Skrelf, c'est le donner à Moissonneur. Ouais mais du coup il tue pas Thalia. Euh... Ok vas-y vas-y, ça me va. On peut lui donner des... un peu des choix cornéliens quoi. Et je peux même buter son Moissonneur avec Egranjo. Ça sera le meilleur plaisible, je pense. J'y vais. Oui. Oui, monsieur. Tiens. Ça t'apprendra. Bon là il peut jouer Fab de toute façon pour 4 mana s'il si a un land, mais... Mais du coup il fait 4 mana fable mmh, c'est... Ouais 4 mana fable, c'est plus retard, du fable du brise miroir. Ouais. Il s'est fait tempo Tempo play. Out tempo de... Donc nous disions. On va être sur la draw, donc tu peux resider pareil, avec deux Loran. Là je crois que je mets... Non, Doloran de Destroyer le Mal. Ouais, parce que je me demande si on veut... Moi j'ai rentré les défaillances, mais peut-être à tort, tu vois. Mm. Typiquement sur la draw, je trouve que Sheldred est encore moins bien, parce qu'elle arrive après que ouais. le deuxième effet de fable... Là j'enlèverais ça. Euh, j'enlèverais même deux. T'enlèves euh... toutes les Adelines, c'est jamais très bien, de toute façon. Ah non, c'est les, les Adelines, ouais. Les trois. Ouais. Et maintenant, si on avait envie d'avoir des défaillances, qu'est-ce qu'on enlèverait On pourrait enlever Ludwig pour avoir une défaillance, par exemple dis que c'est bien pour grinder mais... Pour une, ouais, mais j'en rentre pas plus, quoi. Est-ce que notre deck, il est bien dans cette proportion-là -ce En vrai, à la place de Défaillance, euh, on pourrait aussi rentrer Exterminé. Bah Exterminé, c'est pas ouf, parce que ça gère que les Fables Retournées. Fables Retournées, Token de Fable et Moissonneur. Ouais. Ouais, mais du coup, t'as déjà Détruire le Mal qui va faire ce, ce taf-là, ou Laurent. Et Détruire le Mal, ça attrape Sheldred aussi, quoi. Mm. Non je resterai comme ça moi aussi. Avec juste une défaillance Ouais. Ok. La défaillance c'est peut-être un peu peut un peu tricky quoi. Ah c'est Urabrasque son L avatar, j'avais pas connu. Oui c'est vrai, j'avais pas fait attention non plus. En ce moment je vois beaucoup d'avatars bien spicy, je regrette de... de ne pas pouvoir toucher ma, ma Jaya quoi. Oh ça ne tient qu'à toi hein Alors, j'ai fait une promesse, je me tiens. Je garde. T'es nul cette main. On fait un peu rien là. on va pas garder. Avec un land utilitaire, vais peut-être garder tu vois. Ouais mais tes lents d'utilitaire, ils coûtent cher quand t'as pas de bête. Non ouais. non, tu, tu, tu jettes je pense. Bon, mieux. On va la garder ouais, c'est quand même pas incroyable. Hein. Mieux, on enlève ça. Ouais, c'est ça. Oh mais oui, excellent. Oh, excellent. C'est vrai que je vois des avatars, il y a des gens qui ont phage. Putain, je suis en mode assez stylé quoi. Phage euh, dur à voir. Stylé. Phage, il y a Sholdred aussi là que j'ai débloqué récemment. Phage, c'est deux wins en décathlon. Je ne pas à Phage. Ah d'accord. Typiquement. C'est deux wins en décathlon, c'est à dire En finale, le décathlon. Ah d'accord, ok. Costaud. Bah écoute, un petit point. T'as déjà gagné au toxique Non. Je ne crois pas que ce soit très facile à faire. Surtout que c'est légendaire. Ah, il faut vraiment juste bourrer avec Skrull ou alors faire bourrer tes cartes. Ok, euh, tu peux juste euh, annoncer du mariage ici et on développera Raffine le tour d'après. On va bien coffrer cet Otawara pour le moment opportun. Bah ouais. Dans ton prochain, on peut pas raffiner Otawara euh... Non, tu ne peux pas. Parce que t'as pas à jouer de tour 2. Ah Il oh, fait le réanimateur. Les strokes ont encore plus de sang dans ce cas-là. Par contre, son deck a moins de chance contre nous. Faut arrêter. Hein. Je pensais que Naples, vous avez tous montré qu'il fallait plus jouer à Traxa. ça. Après, est-ce qu'ils ont suivi Naples Peut-être pas. Même si tu suis pas Naples, tu regardes au moins le, les derniers tops, tu vois. Non. Ouais. Je pense. Hein. Okay. C'est bien de la merde, ce qu'on pioche. Hein. Ouais mais écoute là t'es pas t pas horrible hein. Tu peux juste bourrer avec euh, tes deux cartes pour piocher une carte avec ton annonce Ouais bah t'as toujours au Tower-Up Le deck il le lui faut tower pas, up. il nous faut pas grand chose pour euh, tenir l'équilibre tenir du board et, et repartir hein. Je casse Non parce que pour l'instant il en fait rien j'attendrai de voir s'il te, te pose pas une shoulder par exemple Je préfère casser une et c'est une fable, peut-être? Je préfère une fable et casser une chalade. C'est ce que je t'ai dit, ouais. ouais. J'ai dit l'inverse. Non, 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 non. J'ai voulu dire l'inverse, j'ai dit la, même même chose lui dit dit la même chose. Ah, mais j'ai inversé. Non, en non, fait, chalade, ça revient et c'est directement un problème. Fable, ça te casse trois tours. Ça va ah, ouais. être un vrai problème, je trouve. Ah! Euh Ça c'est un problème aussi, mais en même temps tu peux booncer euh, la 7-7. Donc euh, bon, bah vas-y, hein, toi une main. Pour, pour toi. Ouais, je vais détruire la 7-7, non Oui, tu peux détruire la 7-7, pardon. Après que tu la boons ou tu la détruises oh, Non, si la je boons au prochain, il la rejoue. Euh Ouais, ok. Au cas où il y a un contre, euh... oui, non, oui, -y, il n'y a qu'un mana. Non, mais dans tous les cas, oh. tu sais que tu vas la détruire en fait, ouais, ouais. qu'il advienne. Imagine il rentre un land et un contre là dans la main. Ah mais en fait il aurait peut-être pas pris notre accent en créature. S'il si la tuait pas. Franchement s'il si rentre mec dis a pierre, il y en a euh, pas seum quoi. Pour le coup. Mais il a pas le mana, mais ouais. Non mais imagine il rentre land mec 10 pierre dans sa main. Ah oui. C'est ça le truc que tu l'as fait avant. Ah, ouais. Oh nice le petit Laurent là. Bah, oh lolo écoute, Laurent tise regarde, moi, moi. Euh, Laurent tise moi tout ça moi. Juste là. Ouais. C'est encore bien payé. Hein. Tu peux pas au Tawara, hein. J'adore ce jeu. Ah, merde. Il faut, y a je faut de faut... Non, non, ouais. non, il faut faire gaffe à. Ah, mais non, mais on peut De, de Zinzin. Ah si de légendaire, ouais. on pouvait. Euh, bah, écoute, on va encore bourrer. Hein. Ouais. Ah, on y arrive, hein. En vrai. Là, si on a une carte correcte on est bon. Genre tu, vas, ça. tu vas piocher une carte. Tu trouves un droit à la gorge. Tu vas avoir le sun, donc... Ouais, non. Putain, le... mais c'est le jeu fait chier parce que moi ça m'a. attrapé quelquefois cette connerie là. Ouais. De France, on s'en fout. Ah oui. Vu qu'il a plus de cartes en main que toi, tu vas piocher comme un porc avec ton Laurent. Parce qu'il décide de faire le ménage, mais dans ce cas-là, pas de galère. Il fait le ménage. Le ménage est fait. J'ai un bon petit délique 3-4 là. Pas mal un délique 3-4. Hein. Ah, voilà. Attention que ça paye bien. Ça paye bien. Ça se laisse toutes les opportunités. Ça paye bien, Bah, tant qu'à faire, par contre, payant avec ça. Oui. Garder un Triland une petite côte et, et on va passer Tranquillou. la petite côte la pente côte même oh la pente côte c'est bientôt la pente côte non c'est quand c'est en avril Là, ah, bah bientôt du donc en, euh, nous, en bientôt en, en, en bientôt dégage de Lande. il va pour enfin utiliser son brisbank qu'il a joué tour 2 hein, mmh. alors ça ça fait rien du tout il... enfin, à part aller tuto un truc ça ne fait rien bah, bah montre lui hein. Regarde, j'ai rien. Vous avez vu ma main Elle est nulle, hein Oh, c'est pas derrière. Pourquoi je passerais derrière ta main euh... Je peux me protéger. Ouais, mais est-ce que tu veux bouncer son token au préalable Ce pas dit. Non, tu veux l'Aiganjo, son token Ok. Oui. Voilà. On va l'Aiganjo, le bousin. Allez, ça suffit là, Umu là. Stop Laisse-nous gagner deux Z là. Ouais, euh, là, pourquoi refaire une troisième Franchement. Oui, genre la vidéo elle est bien comme ça là. Oh nickel. Bah des bon, nickels. Hein. Hein. Ouais, ouais, je suis à fond le gars. Encore plein pays avec ce là, hein. Un peu chiant. Euh... Bon regardons Ouais. Euh, là il va quand même aller euh, tutoriser une Afraxa, j'imagine. Ouais. Ouais. Il est pas obligé en vrai. Hein. Oh, c'est pas mal. Il a dû aller chercher ça. Oh, du coup, il peut prolif. Ouais. Et du coup, il fait passer ça à 3. Et Il réanime un travers ça. À ouais, partir, je pense. Ouais, on a rien qui nous sauve. Il nous a eu du stucru. Bah. Franchement, l'écart de value va être compliqué là. On va pas gagner le grain, même si on gère à Traxa. Euh, on ouais. va pas gérer à Traxa, Bad braska plus sa main, le, le Brisbane qui a pas encore pioché. Le truc, il a quatre marqueurs, c'est. Le reflet. Va-t'en, va-t'en. Oh. Va lui donne pas plus de. Ah, je prends l'info lorsqu'il pioche. Ok, c'est vrai. Piocher et en dessous. Ah, on avait... Ça ne coûte pas plus cher de bien piocher. Alors, sur le play, on va enlever la défaillance. Du coup, moins bien. Oh, C'est sûr qu'il faut qu'on garde les contres, par contre, ouais. cette fois-ci. Laurent, mieux. Laurent, autant. Non, peut-être que tu veux droit à la gorge, du coup. Pour être sûr de qu'il l'a ça quand il la joue. Ok. Alors, peut-être pas toutes. Parce que je sais que je veux bien enlever un Laurent. Je veux bien remettre une Sholdred aussi sur le play. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas, du coup, ici C'est les transfigurants qu'on ne joue pas ici. Parce que, en fait, si jamais tu vas en late game, ouais. tu ne de pas à ça. Donc, du coup, okay. les transfigurants qui sont là pour grind, on s'en fout. Euh... J'ai remis une chez Raid. Ouais, je réfléchis à si on veut la quatrième, peut-être pas. Hein. Ça fait beaucoup, non Mais chez Raid. beaucoup, là, non Tu veux que je te relise ce que ça fait Ouais, mais lui, avec Atraxa, il pioche en invalidant ça. Je sais pas si je remettrai pas la quatrième annonce ou. Ou, ou un Lolo Je ouais. me bien 3 Lolo à la place de chez Raid. Ouais, vas-y, ok, 3 Lolo, c'est bon. Lolo, ça casse. Euh, ouais. Genre, si jamais il joue le spell qui réanime là, mais pas au troisième effet. Oui, c'est vrai. Tu peux casser et c'est bien. C'est dans combien de temps les vacances Dans trois Lolo. Je veux dire, bah, dans cinq semaines. Dans hein. cinq semaines. Eh oui. On connaît par cœur. C'est parti. Joue en premier. Tu peux faire Screl Ventalia s'il te plaît. Ouais. Genre, les games sont tellement euh, nice. Oh, j'ai bien ça. Oui, c'est quoi cool. On mouligane pas, trop bien. C'est vrai. Pour un deck dont j'ai spécifié qu'il ne mouliganait que très peu. Mm. On a gagné que beaucoup. Ah oui. Mais ça, c'est toujours ça. Quand on présente des decks qui sont pas trop censés marcher, les vidéos sont un banger. On 2-0 tout le monde. Oh. Let's go. Oh, j'y vais là. Oh, bien sûr. On 2-0 tout le monde et le deck est incroyable. Et du coup, les gens pensent que le deck est incroyable. Et dès qu'on présente des vrais putains de decks de grinder bien fine-tunés, mmh. le truc nous chie à la gueule, quoi. Mais c'est vraiment euh, une explosion de caca à chaque fois. C'est la vie. Eh ouais. Denis. Dans Shawoldrail. Après là il va faire Fab, tu vas faire Should il va faire ah, oui je perds quelques PV quand même. Et on va être content du coup. Et, oui. Et bon Zi. Et hop Exceptionnel. Surprise Exceptionnel. Je perds deux PV alors Fab Trigger, que fais-tu C'est vraiment euh, genre euh, bibliothèque sylvestre. Est-ce que je prends 4 ou pas Ouais. Il y a un peu ce truc là, je trouve. Mais moins cher. Oui. Mais tu dois choisir avant de piocher. Upkeep. Excellent. Là, là. Là, je clique ici. Là, voilà. Juste là. C'est bien. Oh putain Qu'il est méchant, monsieur Brochard. là. Oui, oui. Je m'en fous. Tivier, même. Jivier. Tivier. Oh, tu es avec tout. Et le déni comme ça, il prend pas. Ouais, ciao, c'est bon. Ah, mais qu'est-ce qu'on en merde ça. C'est ma table on gagne sur interaction, bah, il était excellent ce match On gagne sur interaction dans un deck qui en joue très peu Mais il en joue Après, pas... un peu plus mais... Est-ce qu'il en joue si peu quand on a 8 main deck Non mais les lands tu vois là il euh, y avait que Ottawa qui marchait Ouais et Ganjo c'est une interaction Gantjou. quand tu te défends c'est pas une interaction ouais. offensive C'est un peu plus compliqué Genre quand il fait shield red je fais rien avec Ouais Bon bah il rien Honnêtement tester le deck c'est très euh... C'est très banger. Ouais, c'est très banger, franchement. Très, très cool. Oh, je m'étire tir Ça ne veut pas dire que Grixis est mort. Hein. Grixis est très fort aussi, hein, évidemment. Bah, on l'a vu euh, la une. Hein. Mais euh, ouais. Bon, un mais on a, une, euh, on a une vraie chance maintenant d'avoir un nouveau, euh, nouveau tier 1 dans ce format-là que ouais. les gens vont devoir essayer de, essayer de battre. Non, je suis d'accord. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la, la belle magie, magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.